on arrive. PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. 13e journée de championnat. Ouais. Paris a été bon ce soir. Ouais, faut pas se fier à mon sourire. Je suis content parce qu'on a gagné, mais il y a des petits trucs qui n'ont pas forcément été. Et en Ligue des Champions, ça passera pas, tu vois. Mais après, c'est bien parce que voilà, on reste régulier dans les corrections. Quand on corrige une équipe, on la corrige, quoi. Est-ce que Ranieri a déclenché ses changements un peu trop tard avec notamment Nakulma et Jules Iloki? Jules Iloki, il me semble. C'est une bonne entrée d'ailleurs. Il me semble qu'il rentre à la mi-temps. Nakulma, il apporte aussi son petit peps. Il met un petit but. Ouais, il a mis un petit but, pas mal aussi. Il apporte son petit peps par la suite. Je crois qu'il rentre vers l'heure de jeu. Mais je pense qu'il aurait dû les mettre dès le début. Hein. C'est des joueurs offensifs. Après. Moi, ce que j'ai constaté depuis là où j'étais placé, Nantes, en première mi-temps, ils ont bien quadrillé le terrain. Ils étaient bien en place. C'était un 4-5-1, mais t'as l'impression qu'ils jouaient en 4-6. Parce que ça, là, ils redescendaient beaucoup chercher les ballons. Donc, ouais, Nantes, ils étaient bien en place. Pour moi, ils n'ont pas lâché le match. Ils nous ont pas donné le match. C'est nous qui sommes allés chercher nos 4 pions ce soir. Et puis voilà, ils n'ont pas mis le bus. Ils n'ont pas lâché le match. Ils ont attaqué pour moi peut-être trop tardivement. Si Ranieri il avait démarré avec ses ailiers. Avec Nakulma et Iloki. Plutôt, ça aurait peut-être donné un match avec plus de buts. Là, on était. On en a vu 5, mais on aura peut-être plus de buts, ouais. Peut-être le double. Hein. Facile. Ouais. D'accord. Que peut-on dire du côté parisien ce soir? Du côté parisien, on va dire que je. Passer à tes top et tes flops directement. On va dire que c'est pas mon flop. C'est pas mon flop du tout. Je le mets pas dans mes flops. Mais on va dire que je suis un peu dur avec lui, même trop dur, etc. Mais Neymar, il a pas influé sur le jeu. Pour moi, il a fait son pire match depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Depuis qu'il est arrivé, ouais. T'as l'impression qu'il sait pas pourquoi il est venu. Il a pas encore saisi. Pourquoi il est venu au Paris Saint-Germain, tu dis ? Sa venue. Il a pas encore saisi l'importance de l'utilité de sa venue. Et ce soir, il a pas influé sur le jeu. Il a pratiquement loupé tout ce qu'il entreprenait. Et puis voilà. Dans mes flops, il y a Yuri qui est assez à la rue, notamment en deuxième mi-temps. La tactique de Ranieri, comme on en parlait, et puis les changements trop tardifs d'Emery, parce que je comprends pas comment t'as un petit qui va te coûter 180 qui est sur le banc. Tu l'envoies s'échauffer. Qui l'a reposé pour. T'envoies échauffer aussi un champion du monde allemand, plus un petit qui arrive quand même en équipe d'Argentine alors qu'il joue pas beaucoup, et tu fais quand même des changements à la 80e, alors que t'attends le 4-1 pour faire des changements, ça je comprends pas. Et puis après en top, Silva, important dans ce game. Cavani, soldat de la première heure, franchement impeccable. Et puis Dani Alves, il a été incroyable. Donc voilà. Je te remercie.